Le Centre international de conférence Abdou Diouf SICAT de Diamniadio a abrité ce 30 juillet la cérémonie de remise de diplômes aux étudiants de la première promotion de l'AS Academy, une initiative qui rentre dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise LIMAC AIBD Souma, la structure chargée de la gestion de l'aéroport international Blaise Diagne. Il faut dire que cette formation s'est très bien déroulée. Nous avons été 30 étudiants à suivre cette formation en management aéroportuaire pendant 6 mois. Et après ces 6 mois-là, nous voilà en tant que récipiendaires, nous venons de recevoir nos parchemins. Il faut dire que aussi la formation s'est très bien déroulée. Nous avons eu à recevoir différents cours en relation avec le management aéroportuaire. Il y avait trop de modules, mais je ne vais citer que ceux qui ont particulièrement retenu mon attention. Il y avait un cours de communication, un cours sur la cybersécurité, etc. etc. Nous sommes très heureux d'avoir participé à ce prestigieux programme et nous espérons trouver un emploi, nous insérer dans le milieu. Pour le directeur général de l'AS, le Sénégal a besoin d'expertise avérée dans le domaine aéroportuaire et sa structure va continuer d'accompagner la formation des ressources humaines ainsi que leur insertion dans la mesure du possible. Le Sénégal a besoin de compétences et d'expertise dans le milieu aéroportuaire, puisque le Sénégal est sous la directive de son Excellence le Président Macky Sall et dans le cadre du plan PSE 2, veut développer son hub aérien. Nous avons ouvert un très bel aéroport que l'Afrique nous envie. Nous avons maintenant une très belle compagnie aérienne qui est pleine d'avenir. Nous avons tout ce qui entoure cette activité en termes d'administration, de partenaires, de sociétés qui travaillent pour l'aéroport. Et donc on ne pourra pas développer ça sans le facteur humain. Il est très important que nous ayons les compétences. Notre richesse sont les ressources humaines et nous devons pour cela nous doter, mais aussi doter le pays et durablement de compétences dans le domaine de l'aéronautique. On ne pourra pas se développer si nous n'avons pas les compétences chez nous. Donc c'est aussi dans cette voie-là que l'AS s'est engagé, en formant des gens dans le milieu, dans le monde aéroportuaire, dans le monde du transport aérien, de manière à placer le Sénégal à la meilleure place sur les chéquiers africains. Tout à fait, nous allons recruter quelques étudiants. Nous ne pourrons peut-être pas tous les recruter en une seule fois, pour tout au moins pour la première session. Mais nous travaillons avec les partenaires de l'aéroport, les sociétés qui exercent sur l'aéroport, ou les sociétés qui travaillent dans le monde du transport aérien, comme j'ai dit. Donc déjà, nombre d'entre elles ont proposé de prendre des stagiaires, puisque après les études, il y a une phase de stage. Et ensuite, nous serons en mesure de proposer des emplois à ces personnes. Au Sénégal en premier lieu, mais pourquoi pas aussi à l'étranger. L'université de Thiès, dont ses étudiants ont bénéficié de cette formation, s'est réjouie de ce partenariat qui leur ouvre ainsi la porte des métiers de l'avenir. Dès le démarrage de l'aéroport, l'université de Thiès s'est dit qu'il n'était pas possible de rester indifférente par rapport à la présence d'un aéroport international à Thiès. Et nous avons rendu visite à l'aéroport pour montrer quelles sont les compétences de l'Université de Thiès, quels sont les domaines d'activité de l'Université de Thiès. Et l'aéroport a immédiatement manifesté son intérêt. Et c'est comme cela que, petit à petit, le partenariat s'est noué. Cela a commencé par le fait que l'aéroport a fait appel à l'Université de Thiès pour que des étudiants viennent faire des enquêtes de satisfaction. Et ensuite, nous avons vu plus grand. Nous avons signé le 29 novembre un protocole de collaboration et on a démarré ensemble donc, ce programme LAS Academy qui a deux objectifs. Donc, d'une part, c'est de former des étudiants de l'Université de Thiès au métier aéroportuaire. Et l'autre objectif, c'est de les accompagner pour leur insertion dans le monde socio-professionnel. Et c'est pour cela que vous avez vu tout à l'heure, le directeur général de l'AS AIBD a rappelé qu'il a déjà
qu'il y a déjà des stages, des postes de stage qui sont offerts à ces étudiants et qu'il y a peut-être même des possibilités de recrutement, soit à l'aéroport, soit dans des aéroports à l'étranger. Donc c'est un programme qui est extrêmement important et c'est une collaboration qui a beaucoup de sens pour notre université, qui est une université de métier, qui est une université orientée vers les STEM. Et en tant qu'université de métier, il faut que nous soyons à l'écoute des métiers actuellement en cours, mais également des métiers du futur. Et les métiers liés aux aéroports vont également évoluer rapidement, puisque c'est un domaine où le numérique fait de grandes avancées tous les jours. Et l'université de Thiès est obligée de se mettre à l'écoute de cette évolution des métiers et de répondre aux besoins du monde socio-économique. Le ministre du Transport aérien et du Tourisme, Alioune Sarr, est venu présider la cérémonie de remise de diplôme. Il s'est félicité de ce partenariat qui renforce ainsi le deuxième pilier du plan Sénégal émergent. Je voudrais vraiment vous féliciter pour cette heureuse initiative. Je disais tout à l'heure au directeur général de l'AS, c'est vraiment une excellente initiative. Si toutes les compagnies au Sénégal, dans les régions où elles se trouvent, faisaient exactement ce que fait l'AS, le capital humain, qui est l'un des piliers du plan Sénégal émergent, on aurait accéléré l'atteinte justement de l'objectif que nous avons. Si les sociétés pétrolières dans la région de Saint-Louis font la même chose avec les universités de Saint-Louis, si les sociétés minières dans la région de Kédougou font la même chose dans la région, si les sociétés dans le secteur halieutique font exactement la même chose, naturellement, nous allons augmenter le capital humain qui est fondamental puisque les nations se différencient par la qualité de leur capital humain. Le plan Sénégal émergent s'appuie sur des initiatives et projets structurants dont le nouvel aéroport international, qui est un des axes du hub aérien, à côté des deux autres axes que sont la compagnie nationale Air Sénégal et la construction des aéroports régionaux. Le directeur des infrastructures aéroportières est également ici présent pour confirmer que le gouvernement du Sénégal a engagé un vaste chantier pour la construction et la réhabilitation des aéroports régionaux, qui sont donc les trois piliers qui structurent notre hub aérien. Un aéroport international, une compagnie nationale forte, mais également des aéroports régionaux de classe internationale. Ce programme ambitieux de développement du secteur du transport aérien, articulé à celui du tourisme, offre des opportunités d'emploi sur des plateformes aéroportières. Et je crois que le projet de AIBD, de construire autour de l'aéroport international Blesdiaye, le projet AeroCity, la ville aéroportière, le centre de maintenance des avions, mais aussi le centre de formation des métiers aéronautiques. C'est également l'occasion pour le directeur général de l'AIBD d'engager également les réflexions avec l'université de Thiès pour que ce projet, justement, le centre de formation métiers aéronautiques, que nous puissions travailler sur la synergie et optimiser justement les deux projets. Pour conclure, mesdames et messieurs, je voudrais remercier le recteur de l'université de Thiès pour la diligence avec laquelle vous avez conclu ce partenariat, mais surtout délivré. Vous êtes au cœur du fast track.